Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo test. J'ai trouvé hier, donc nous étions le 9 août, j'ai trouvé ces encres à liquide de chez Action qu'on avait déjà eu et j'ai l'impression que c'est des nouvelles teintes parce que je me souviens pas avoir vu ça. Donc j'ai celle-ci, donc ils appellent ça pastel et ici ils appellent ça bright. Et du coup, j'ai ressorti mes anciennes. Et vous voyez ici, on avait... Donc ça, c'est les anciennes. Donc, il n'y a rien d'écrit, vous voyez. Et que sur celle-ci, ils mettent ici pastel. Donc pour moi, c'est des nouveaux, je suppose. Donc on va tester les couleurs maintenant. Donc là, j'ai pris la couleur pastel. Alors, je fais ça un petit peu à l'arrache parce que j'ai pas retrouvé ma comment ma je vais pas y arriver ma perforon. Dans tout mon bazar, faut dire que c'est fort possible. Donc, je vais prendre le bleu là. Et bien, c'est un bleu qu'on n'a pas. Donc, j'ai fait des ronds. Donc, ça donne ce bleu-là. Je vais continuer. Donc, je vais refermer ça en même temps. Là, nous avons un vert. Alors, j'ai déjà à peu près trois verts. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment pastel parce que ça ne correspond pas au vert que j'avais déjà. Voilà, et ça, c'était ce qu'on avait avant. Vraiment pastel. Alors pour moi c'est des nouvelles couleurs, je vous dis, il y en avait que deux paquets. Waouh, il est trop beau, c'est tout à fait mes couleurs. Trop trop beau. Ça va là. Donc là, on va avoir un rouge, je sais pas. Trop chouette. Et vous voyez. Ça, c'est les anciennes couleurs. Donc, ça correspond pas du tout. C'est pas déjà quelque chose qu'on avait. Donc, c'est bien ça. C'est bien des nouvelles aquarelles. Donc celle-ci, nous avons, ça va donner quoi? Ça doit être un jaune, je suppose. Ouais. Donc un jaune, j'avais pas trop. Ben, j'en avais même pas du... ouais, plutôt orangé que j'avais. J'avais pas vraiment de jaune. Alors là, c'est le top. Voilà le jaune. Donc celle-ci, c'est bien une nouvelle, la pastel. Donc c'est écrit ici. Ils ont évoluer au niveau du packaging. Donc ça, je vais mettre ça là et je me ferai mes petits ronds après. Je vais la mettre de côté. Et on a celle-ci, c'est la Brint. Donc on va faire pareil. Petit test en direct. Alors j'essaie peut-être, je devrais peut-être le mettre comme ça. Je
C'est vraiment un test à l'arrache. Je suis sur ma table de cuisine pour tout savoir. Et j'avais envie de tester. Et j'ai pas pu sortir ma plaque de verre ce week-end, parce qu'Emeline avait une copine, et du coup j'avais besoin de ma table de salle, donc j'ai pas pu sortir ma plaque de verre. Donc je sais pas grave, je vais mettre sa table de cuisine. Hop hop hop. Alors c'est pas vraiment du papier aquarelle, j'aurais peut-être pas dû prendre ce papier là. Il est pas top top le papier là. Plutôt pas mal. Ah, c'est le papier qui a pas l'air terrible, je pense. C'est des couleurs un peu plus flashy là, nettement plus. Là, on a autant on a le côté pastel du premier que là, pas du tout. C'est quand même des couleurs nettement plus flashy. Mais alors, qui sont pas mal non plus. Donc, je suis passée dans mon hausse de hier, mais toujours pas d'arrivage Doubadou et 6X. Donc je commence à plus désespérer. Hein. Je risque d'y repasser encore une fois, peut-être avant de partir en vacances. Et puis bah, après, ma foi, hein, si on n'a pas, on n'a pas. Donc voilà pour les couleurs de la Brint. Donc la Brint, c'est celle-ci. Donc on obtient ça. Et ça, c'est la pastel. Donc, ça fait vraiment pastel. Vraiment pastel, pastel, vous voyez. Et ça, c'était les couleurs. Hop, donc ça, je vais remettre ça comme ça. Et ça, c'est celle d'avant. Donc, vous voyez, donc les pastels, elles y sont pas du tout. Et ici, on n'a pas... Et vous avez ici, vous voyez, ça, le violet est nettement plus intense. Le bleu, c'est pareil. Le vert, c'est pas le même. Donc, plutôt contente. J'avais pas pris les toutes premières qu'ils avaient sorties. Je les avais pas. Je les avais pas pris. Et c'est vrai que j'ai regretté parce que franchement, pour 2 euros, ça fait plutôt un bel ensemble. Alors là, les pastels, moi, j'adore. Franchement, celle-ci, j'adore. Ça, peut-être pour un côté plus Arbaï Marlène, des couleurs un peu plus vives. Mais alors, celle-là, j'adore. Donc, voilà pour ce petit test. Donc, effectivement, Action a sorti de nouvelles encres aquarelles. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt. Bisous, bisous.